Bonjour à tout le monde, bienvenue dans la vidéo aujourd'hui à côté nous porter tout ça qui a dominé l'actualité football là pour côté équipe Paris Saint-Germain qui font belle opération à l'extérieur mes amis côté de battre équipe Manchester United la 3 goals là nous a venir avec résumé goal pour qui ça la presse midi. Après match là Neymar Junior qui déclare que t'a remis jouer encore avec Lionel Messi la saison prochaine ça qui a fait en pile parler en pile dans la presse. Nous gagne équipe FC Barcelone qui veut imposer mes amis en déplacement 3 goals à 0 notamment Martin Barthez qui butait encore une fois nous a venir avec résumé goal pour qui ça la presse midi. Mais quand même dans le pays l'Espagne, mais il y a un bagage qui a fait un pile actualité, c'est Zinedine Zidane qui a un ultimatum qui fixé pour lui là, mes amis, pour qu'il quitte l'équipe Real de Madrid là. Mais dans le pays l'Italie, équipe Juventus de Turin qui veut imposer le 3 goals à 0 notamment avec un goal de Cristiano Ronaldo, nous avons venu avec résumé goal de qui ça la presse lundi. Nous avons venu avec tout ça qui a dominé l'actualité football là, dans le monde, dans la ponte pose tout petit, nous avons venu avec plus de détails. Comme d'habitude, on a commencé la revue de presse dans le pays de la France avec l'équipe qui mettait à la une le monopole du cœur. Manchester United 1, Paris Saint-Germain 3. Parfois au bord de la rupture, le Paris Saint-Germain a tout donné pour s'imposer à Old Trafford. Neymar Junior et ses coéquipiers se replacent idéalement dans la course à la qualification pour les 8e de finale. Avec un très bon Neymar Junior et l'équipe Paris Saint-Germain qui arrivait à imposer mes amis en déplacement à Old Trafford, la 3 goals à 1. Notamment avec un doublé de Neymar Junior, donc un rencontre là, mes amis, qui était vraiment là, aller en faveur équipe Paris Saint-Germain. Hein. Bon, côté par les journaux, le Parisien, il mettait à la une le succès qui change tout. En s'imposant hier à Old Trafford contre Manchester United, le Paris Saint-Germain réalise un grand pas vers la qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale a retrouvé des valeurs. Et bien, équipe Paris Saint-Germain, Kouna qui gagne pour le jeu face à Istanbul Başakşehir, semaine qui parle venir la maison pour qualifier directement pour les 8e de finale. À part que c'est lui qui va recevoir Istanbul, mais définitivement, donc il gagne tout le ballon en un pied. Et bien, mes amis, comment ça tenait en compte là? C'est Neymar Junior qui était ouvert le score depuis la 6e minute de jeu pour l'équipe Paris Saint-Germain. Hein. Mais quand même, il y a Marcus Rashford qui était égalisé à la 32e minute de jeu. Il y a Marquinhos bon côté par lui-même à la 69e minute de jeu, il était mettait goal par là, non, en compte là pour être capable à avantage là. Comme on a imaginé, il a fait un contre ça à la 91e minute, il a mis un doublé non contre Silla, mes amis, pour qu'il y ait victoire à 3 goals à 1 pour Paris Saint-Germain. Toujours sur réaction de match, Silla, nous avons un pays de l'Angleterre, journal The Times, il mettait à la 1 que Neymar Junior il fait disjoncter équipe Manchester United là. Pour départ, le journal Daily Mirror, il mettait à la 1 Neymar et la honte. Mais Brésilien, lui-même, qui c'est Fred, il a fait un pile mauvais bagage sous terre, tout ça qui n'est pas de fait. Notamment dans la première période, il a mis tête à tête avec Paredes et pourquoi pas un mauvais tackle que fait sur l'autre joueur qui fait un carton rouge. Si Neymar était homme positif pendant la soirée, ça, mais Brésilien, lui-même, qui c'est Fred, docteur un homme négatif et qui était honte avec l'équipe Manchester United là. Toujours sur réaction, il y a un journal Daily Stallion qui mettait à la une, c'était un Fred qui était vraiment brut et qui était vraiment la pénaliser l'équipe Manchester United là. Il mettait dans une mauvaise situation dans le groupe Silla pour qu'il ait une qualification. Pour côté par le journal des Guardians, il parlait de mauvaise nuit que Fred Lee fait équipe Manchester United l'a subi, mais quand même il parlait tout de Olivier Giroud qui mettait 4 goals pour l'équipe Chelsea face à FC Séville. Donc FC Séville qui était dépassé par les événements, mes amis, que l'équipe Chelsea a battu la Kali 4 goals à 0 et qui déjà qualifié pour les 8e de finale. Et puis mes amis, comment ça pour l'équipe Chelsea? Nous avons Olivier Giroud qui était ouvert score à la 7e minute de jeu. Et Olivier Joussalien à la 54e minute de jeu, le tap qui était mettait doublé par la non contre la son très belle goal. À la 74e minute de jeu, même Olivier Joussat est paraît encore une fois de la tête pour te mettre 3e goal par là. Et à la 83e minute de jeu, même Olivier Joussat sous pénalité, te mettait 4e goal là non contre là. Bon, côté par le journal Estadio Deportivo dans le pays l'Espagne, il fait connaître que c'est un plan là qui était vraiment échoué. Mais le petit Guilherme n'est pas capable de réagir face à un bon Giroud, mais quand même il est qualifié pour la 8e de finale, mais quand même il a prêté en 2e position parce que Chelsea prend première place là. Juste avant que nous verrions mes amis, qui de nous posons une question. Est-ce qu'on met un like à ma vidéo ça déjà? Si vous trouvez ça qui soit obtenu mes amis, mettez un like. Kounia ma vidéo ça, ça va vraiment encourager nous monter plus de vidéos pour vous. Et bien sûr, remettre travail nous à faire, faites jouer ensemble avec nous. Cliquez sur le bouton de la vidéo à Kounia pour vous abonner et activer la notification. Mettez sur tout. Ça nous va oublier mes amis, partager la vidéo ça au maximum que vous capable sur toutes les réseaux sociaux pour vous aider à nous verrions le travail qu'on a fait. Nous parlons dans le pays l'Italie avec le journal Gazzetta dello Sport qui mettait à la une l'incroyable Lukaku. Donc, il fait illusion avec Hulk lui-même qui est un grand géant, nous connaissons déjà qu'on regarde dans le cinéma. Définitivement, il fait connaître est-ce que Romelu Lukaku lui-même est le meilleur 9 qui vient dans le moment. Et bien, selon le journal, Romelu Lukaku t'a semblé c'est lui-même qui est le meilleur numéro 9 pour 2020 là, puisqu'il marquait plus d'or que Haaland et pourquoi pas Lewandowski. Il est un bon leader pour l'équipe Inter 2000. Bon, côté par les journaux Corée de le Sport, il mettait à la une, mais quel Chiesa lui-même qui vraiment consacré lui-même avec goal qu'il était marqué avec Juventus de Turin. Il qui marqué le premier goal dans la compétition là en Europe. Définitivement, Cristiano Ronaldo lui-même tout qui était marqué et qui était marqué en carrière 750e goal.
Et Alvaro Morata-li même tout qui te mette un goal dans la rencontre là pour te mettre 3-0 pour l'équipe Juventus face à Dynamo de Kiev. L'autre club italien qui était engagé dans la Ligue des Champions, c'est Lazio de Rome qui était en déplacement dans le pays de l'Allemagne qui fait 1-1 face à Borussia Dortmund. Mais selon le journal ça, il manquait seulement un point pour le qualifier pour les 8e de finale parce que il y a 9 points et Borussia Dortmund a 10 points et Club Brugge a 7 points. Donc toute barre va jouer dans le pays de Belgique, mes amis, face avec Club Brugge semaine qui va venir là. Et bien mes amis, comment ça te pour jouer tous deux Turin, nous avons Chiesa qui était ouvert score de la tête à la 21e minute de jeu. Mais Cristiano Ronaldo à la 57e minute de jeu te mettait goal par la nain en contre pour te marquer 750e goal en carrière. Donc Alvaro Morata à la 66e minute de jeu te mettait goal par la nain en contre pour te mettre 3-0 pour Juventus. Et nous parlons qu'on a dans le pays l'Espagne avec Journal Sport qui mettait à la une festival de Champions. Définitivement dans le même groupe ça a gagné l'équipe Barcelona qui était en déplacement à Budapest pour te affronter l'équipe Ferencváros là. Et bien c'est Barcelona qui imposait le 3-0 notamment avec goal de Griezmann, Dembélé et pourquoi pas Martin Braithwaite. Mais Jonas qui fait connaître que Lionel Andrés Messi par gagner pour le payer 600€ mes amis comme amende by Liga. Façon qu'il te rend hommage à Bayle Diego Maradona mes amis, donc ça qui est vraiment compliqué pour lui par gagner pour le payer 600€ by Liga. Définitivement avec le journal Mundo Deportivo qui mettait à la une à l'heure, c'est Barcelone qui fait le plein. Et bien c'est Barcelone qui est imposé à Budapest, ça qui fait qu'il fait 5 victoires mes amis dans la Ligue des Champions. Donc il était avec 15 points, mais selon le journal ça, c'est l'équipe Juventus qui a été premier dans le classement ça. Donc il était supposé mettre un pile goal sur ce Barcelone dans la semaine qui va venir là. Si Juventus avec Barcelone pratiquement qualifié, mais définitivement, donc il va gagner pour jouer premier place là dans la semaine qui va venir là dans le temps nous. Et bien mes amis, comment ça te pour FC Barcelone, nous avons Antoine Griezmann qui était ouvert score à la 14e minute de jeu. Nous avons encore Martin Braithwaite à la 20e minute de jeu qui mettait goal par la non en compte là. Nous avons encore Dembélé à la 28e minute de jeu sur pénalité qui était qui mettait 3e goal pour FC Barcelone. Et nous toujours été dans le pays l'Espagne avec Jonas Sportlin qui mettait à la une qui gagne un ultimatum avec Zinedine Zidane dans l'équipe Real de Madrid là. Nous avons l'équipe qui a fait une défaite pendant le week-end ça mes amis, et surtout dans la Ligue des Champions a perdu face à Shakhtar Donetsk. Mais selon Jonas Sass, il est arrivé perdu pendant le week-end ça et puis dans la Ligue des Champions donc définitivement donc il y a limogé Zidane dans l'équipe Real de Madrid là. Il y a deux entraîneurs qui sont en priorité pour Pochettino et Raúl Jiménez qui a pris Real de Madrid. Tout ce même dossier, il y a un journal AS qui mettait à la une contre à rebours pour l'équipe Real de Madrid et surtout Zinedine Zidane. Il fait connaître que match face à Borussia Mönchengladbach dans la semaine qui va venir dans la Ligue des Champions, il pourra garantir futur Zidane dans l'équipe ça. S'il est arrivé perdu Mathis Lalem tout qui a limogé sur le champ. Et je pense qu'il confirme encore une fois mes amis que l'autre alternative qui vient de l'équipe Real de Madrid c'est Raúl González Blanco et pourquoi pas Mauricio Pochettino qui est potentiel candidat. Bon, on débat le journal Macalien, il mettait à la une jour J pour Zinedine Zidane, quand il mettait, et mes jour moins 9. Définitivement, il y a 9 jours encore, l'équipe Real de Madrid la gagne pour réagir. Sinon, mes amis, eh bien, il va quitter l'équipe ça. Donc, Zidane va quitter l'équipe ça. Donc, il fait qu'on est qu'il ne peut pas passer phase de groupe là, mais définitivement, donc, c'est absorti pour Zinedine Zidane. Jean l'a fait qu'on est que le club là, il reconnaît grandeur Zidane, mais quand même, résultat pas rendez-vous. Mais Zidane, il est à comprendre situation là, il va gagner pour jouer en finale face à Borussia Mönchengladbach. Mais maintenant, vu après match, qu'on est imaginé, on tape Jean ça, mais il fait qu'on est que le tarim est retourné jouer avec Lionel Messi en équipe à venir là, pendant la saison qui va venir. Hein. Mais la grande question c'est qui va jouer ensemble dans SL. Est-ce que c'est le FC Barcelone ou du moins c'est dans Paris Saint-Germain ou du moins c'est Neymar Junior avec Lionel Messi qui prend l'équipe Manchester City là. Même Jonas qui fait qu'on est que petite Maradona lui demandé avec FC Barcelone pour retirer numéro 10 là mes amis dans l'équipe ça. Parce que nous connaissons Maradona qui porte numéro 10 dans FC Barcelone. Et n'a pas actuellement qui est-ce qui porte numéro 10 dans FC Barcelone, c'est Lionel Andrés Messi. L'autre information que j'ai pour vous, mais c'est Elina Lanyem qui blessé là, mes amis, définitivement, qui a perdu reste année 2020, qui n'est pas capable de rejouer encore. Donc, Lanyem qui a supposé retourner jouer avec l'équipe Borussia Dortmund juste dans le mois de janvier 2021, qui parle venir là. Mais si vous tous dossier, imaginez là, un mec journal dans le pays, l'Angleterre qui a posé cette question, est-ce que c'est dans FC Barcelone ou du moins c'est dans Paris Saint-Germain? Définitivement, il a confirmé que Neymar Junior lui parlait et fait connaître le terrain mais jouer avec Lionel Messi encore une fois. Donc, dans la saison qui va venir là, tout désir est à jouer aux côtés de Lionel Andrés Messi. Il a tiré tout également soit fait Zinedine Zidane qui a quitté l'équipe Real de Madrid là, sur le journal El País. Il mettait à la une Zidane devant l'abîme. Il fait connaître que le technicien français Alien qui a brûlé dans le poste jusqu'à ce que le carré joue match face à Borussia Mönchengladbach qui va être crucial pour lui. Match qui va être non seulement crucial pour Zinedine Zidane, plus que la crucial tout pour l'avenir sportif et pourquoi pas l'avenir économique club Real de Madrid là. Nous parlons encore avec un autre trophée que Cristiano Ronaldo a ajouté dans la carrière qui c'est Golden Foot 2020. Et le trophée ça qui est toujours désigné par un joueur qui a plus que 28 ans et qui accomplit plus de bagailles pour l'année et surtout dans la carrière. Définitivement c'est Cristiano Ronaldo qui élu Golden Foot 2020.
C'était vraiment un plaisir pour nous de porter vidéo ça pour mes amis. Pas oublier juste avant aller sur votre professeur, partager vidéo ça au maximum avec tous les amis qui aiment le football et sur page Facebook, etc. Que t'as pour nous nous à la prochaine bonne vidéo. Que bon Dieu bénisse. Pas oublier mes amis, préparez-nous pour retour Christ à son bac essentiel parce que nous voyons qui joue nous vient sur terre, par contre qui joue nous pour aller.